beaucoup. Tout ce qui est là, c'est chez vous. C'est chez moi? Oui. Donne-moi le titre foncier. Pas de problème. Pas de problème. On peut descendre par là, faire comme ça. Bon, maintenant, vous parlez. Ça, c'est ma famille parce que j'ai ma tante qui est malade qui est là. Ma famille, c'est donc un peu réunie pour voir ce qu'il faut faire. D'accord. En tour de rôle, je suppose que celle la plus grande derrière vous, c'est peut-être une sœur. C'est ma sœur. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Oh, c'est moi 40 ans. 40 ans dans cette propriété? Oui, parce que quand je suis rentré de mes études, j'ai habité vers la Maringa là-bas, l'ancienne voie. Après, j'ai été logé à la caisse, puisque à l'époque j'étais encore jeune étudiant, non jeune fonctionnaire entrant. Et après j'ai acheté ici. J'ai acheté là-bas où il y a la première maison. Et puis j'ai continué à bâtir ici. Jusque là-bas derrière, il y a encore une autre propriété. Ah c'est. Pauvre là, c'est des domestiques. D'accord. Partie de mon personnel loge sur place. Tout le monde est bien logé chez vous donc? Bah, j'espère oui, parce que là. Non, enfin on ne peut pas penser qu'ils aient quelque chose à se plaindre. Là-bas, c'est une carte que j'avais faite chez une de mes filles qui a demandé la personne. Quand je voulais, ben, là je me cachais là-bas. C'est une autre demeure. Le problème, c'est de pouvoir s'isoler, d'avoir des préoccupations du moment, hors contexte, dans le contexte d'une petite maison que j'ai fait, suivi de temps en temps. Alors, les gars ne sont pas aménagés, ne prenez pas, mais enfin. Alors. Je ne sais pas si c'est côté cour ou côté jardin, mais en tout cas, ça ressemble bien à côté jardin. Donc là, on peut se voir souvent. Vous en recevez souvent? Oui, très souvent. Des fois, les réceptions du parti, des fois, les mariages, des fois, les événements de famille. De quoi recevoir tout le monde. Quand on fait les. L'exception du parti, on utilise l'autre partie du jardin. Parce que là-bas, c'est encore chez moi. Vous savez combien d'hectares, monsieur Maïla? Normalement, quand on voit tout ça, on tourne autour de 3 ou 4. 3 ou 4 hectares? Ah, au cœur de la ville. En plein Libreville, au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Bah, écoutez. Vous êtes donc un privilégié? Non. Je suis seulement arrivé au bon moment. Je pensais que. Disons que j'ai dû prendre beaucoup de terrain en aménageant. Parce que quand j'ai acheté, bon, jusque là-bas, mais tout cela, j'ai dû passer des câbles, des drains et tout pour maîtriser le sol. Il y a une rivière qui passait par là. Donc. On a dû se battre avec la nature pour avoir retrouvé un peu plus de place, mais sinon là, ça va. Les enfants, enfin, tout le monde trouver de la place. Une belle piscine. Oui. C'est quand la dernière fois que vous y êtes baigné, monsieur Maïla? Oui, il y a 2 mois. Deux mois. Oui, parce qu'il faisait chaud à l'époque. Maintenant, il fait moins chaud, alors donc, je vais très peu à la piscine. Il faut dire que vous êtes à un jet de pierre de la présidence de la République du Gabon, hein?
Mais j'ai travaillé, moi. J'étais directeur de cabinet du président. Je sais dans votre biographie. Je veux dire que votre propriété est un jet de pierre de la présidence de la République. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore la Cour constitutionnelle ici. Et j'allais en jogging, mon bureau. Je prenais ma douche à mon bureau, je me changeais, je m'installais. Peut-on penser que d'être le voisin du président de la République est prémonitoire pour vous qui souhaitez y arriver un jour ? Prémonitoire, peut-être, bien que oui, peut-être bien que non. Moi, je pense que ça s'est trouvé que de par mes fonctions, il fallait que je ne sois pas loin de là où habitait le chef de l'État. Donc, bon, ça s'est trouvé, c'est tout. Avez-vous bénéficié d'un petit coup de pouce de feu Omar Bongo quand vous étiez son directeur de cabinet pour avoir cette propriété ? Non, parce que quand j'ai acquis ici, je n'étais pas encore directeur de cabinet. Je rentrais de Shell, j'étais secrétaire général de l'aviation civile, puis directeur de l'ENA. Et j'ai acquis ici quand j'étais encore à l'aviation civile. Et donc c'est à par la suite que je suis devenu directeur de cabinet du président. Ça a peut-être aidé le président de la République à vous choisir comme directeur de cabinet à l'époque, puisque vous étiez le voisin le plus proche. Non, pas du tout. Non, je ne crois pas. Je pense que les choses se sont seulement trouvées ainsi. Bon, je suis venu habiter par là et ça facilitait les choses. Je pouvais aller au boulot à pied. Bon, ce qui m'arrangeait, bon, je ne suis pas très sportif, mais d'aller à pied, ça m'arrangeait bien. Non, ça n'a pas arrangé quoi que ce soit. Je vous ai entendu il y a un jour, il y a 16 ans, sur la télévision gabonaise, j'étais de passage à Libreville à l'époque. Ouais. Vous aviez déclaré, les gens disent j'ai volé. Mais j'ai investi au Gabon, que tous ceux qui ont volé viennent investir au Gabon comme moi. Est-ce que vous tiendrez les mêmes propos aujourd'hui ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'agacement dans tout ça. Vous voyez, dès que vous avez une maison, vous avez volé. Moi, j'ai travaillé avec un chef d'État. Moi, j'ai investi dans ce pays. Je suis un des rares Gabonais à avoir mis en place une société qui te faisait 6 milliards de chiffre d'affaires par an, Air Inter Gabon. Alors, comment voulez-vous ? J'ai tout fait dans ce pays. J'ai vendu des voitures. J'ai exploité des forêts. J'ai travaillé dans mon pays. Bon, maintenant, les gens racontent leurs histoires. Bon, ça, c'est leur problème. Mais pour le moment, j'ai vu beaucoup de gens qui sont passés devant des tribunaux. Je n'ai pas souvenir d'avoir été convoqué un jour par un magistrat pour m'entendre reprocher quoi que ce soit de ce côté-là. Nous poursuivons dans votre village et dans les endroits où vous avez investi, car nous souhaitons voir cela. Bah, peut-être nous irons. Moi, je suis de Langounier, donc j'ai une maison à Mouila, j'ai une maison à Fougamou, bien sûr, j'ai une maison à Mandji, et puis je vis en Brousse, tout seul à Digoba. Ça, c'est ce que nous souhaitons voir. Ben, Dieu fasse que nous puissions le faire. Je crois que nous sommes tout à fait outillés pour. Hein. On peut aller passer un séjour et puis revenir. Ce serait une bonne chose. Formidable. On verrait pas mal de choses. Très bien. D'accord. Merci bien. Est-ce que vous vous sentez jalousé, M. Maïla, dans votre pays ? Je pense que oui, ce serait faux de le nier. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on est aimé de tout le monde ? Je ne crois pas. Il y en a qui m'apprécient, j'estime beaucoup. Il y en a qui ne m'apprécient pas, peut-être mon parcours, ma façon de faire, ma façon d'être peut ne pas plaire, ce qui est tout à fait normal. Mais lorsque on arrive sur le terrain politique, bon, on oppose aux arguments d'autres arguments. On discute avec les gens leur apportant ce qu'il y a d'intéressant en vous et pour vous et par vous. C'est ça le vrai débat politique. Maintenant, quelqu'un disait l'amitié c'est le fin de la jeunesse. Le cardinal de Retz, l'amitié c'est le fait de la jeunesse. Quand on a un certain âge, on n'a plus que des collègues, c'est-à-dire des concurrents. Forcément, les concurrents ne peuvent pas voir d'un bon oeil ce que Louis Gassoma il a fait, ce que Louis Gassoma il est, ce que Louis Gassoma il peut faire. On dit, mais c'est ça, c'est la vie, on ne peut pas s'en offusquer. Je pense qu'il y a des gens que j'apprécie beaucoup, il y en a que j'apprécie moins. Donc je comprends qu'à mon tour, les gens puissent m'apprécier beaucoup, d'autres m'apprécient moins ou d'autres ne pas m'apprécier du tout. Après tout, je ne serai pas marié. Que répondriez-vous à ceux qui vous taxent de grande gueule ? Ben, mieux vaut être une grande gueule que ne pas avoir de gueule du tout. Alors, moi, j'en ai une grande. Ça m'a valu beaucoup de déconvenus de l'ouvrir deux fois. Ça m'a sauvé deux fois. Mais je crois que ça fait partie de moi, ça. Moi, je dis mieux vaut avoir une grande gueule que ne pas en avoir du tout. Alors, bah, le qualificatif va peut-être, la mienne elle est grande, bon, mais il faut faire avec. Est-ce que vous vous sentez incompris dans votre pays ? Oui. Oui, parce que
Très souvent, vous partez de Maïla quelque part en disant « Oh, mais il est instable, mais il est inconstant. » Non. Moi, j'ai servi un seul chef, Omar Bongo, pendant plus de 30 ans. Nous avons eu de hauts et de bas ensemble. Nous étions une espèce de couple infernal. J'étais au gouvernement, 2 ans après, je partais, je revenais, parce que bon, quand ça n'allait pas de M. Pidan, je rends mon tablier, je m'en vais. Et après, il me rappelait, ce n'est pas de l'inconstance. Et puis, lorsque ça n'a plus été, jusqu'en 2007, j'ai posé ma démission. Quand je suis parti du gouvernement, j'étais vice-premier ministre. J'étais vice-président du PDG. J'ai abandonné tout cela pour créer mon parti, l'Union pour la Nouvelle République. Donc, incompris, oui, parce que, vous savez, ceux qui ne vous aiment pas auront toujours des mots pour vous qualifier. Ceux qui vous aiment trouveront toujours des mots pour vous pardonner, même vos défauts. Donc, selon que vous êtes du côté de ceux qui me supportent, et Dieu merci, j'espère qu'ils sont nombreux, ou bien du côté de ceux qui me combattent, bon, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Mais je crois que ça, c'est la vie politique. Il faut s'y accommoder. Moi, je me plains pas. Je trouve que c'est normal que dans le débat, les gens me trouvent des défauts. Bon. Dieu merci, il m'arrive que d'autres me trouvent des qualités, après tout. Bon. Moi, je suis avocat de formation. Donc, je comprends que rien que le fait de défendre certaines causes, ça ne plaise pas. J'ai vu quelqu'un un jour, je sortais d'une plaidoirie, et puis je sors. Ah, maître, comment ça va? Je dis, ça va très bien. Vous trouvez juste que vous ayez défendu ce type-là, alors qu'il a fait ça? Je dis, mais justement, c'est ça l'avocat. C'est défendre des causes, même que certains n'approuvent pas. Or, n'importe qui mérite d'être défendu. J'ai trouvé que moi, je me suis trouvé la défense de ce monsieur-là, je l'ai défendu, mais je ne vois pas en quoi ce qu'il a fait peut m'être reproché à moi au motif que j'étais son avocat. Je ne fais que mon travail, l'avocat, c'est poser peut-être la main sur la veuve et l'orphelin, c'est poser la main sur l'épaule du condamné, mais c'est aussi défendre des causes qui paraissent... Perdues. Bon, voilà, ou perdues ou choquantes pour certaines personnes. Mais quand on parle du principe que tout le monde mérite d'être défendu, alors on défend la cause, la condition que vous soyez en harmonie avec... votre intime conviction. Pourrait-on penser que vous êtes de Vergès gabonais? Pas du tout, parce que je ne suis pas resté avocat en activité pendant longtemps. J'ai passé beaucoup de temps au gouvernement, mais je suis resté avocat, je suis au grand tableau. Mon fils est avocat, ma fille est avocat. Oui, quand vous serez demain à mon cabinet, vous verrez que nous sommes avocats de père en fils et en fille. Et vous les rencontrerez demain. Ah, c'est formidable. Voilà.